Bon, je vais arrêter mes conneries parce que je crois que je vais me faire virer. Salutaire tous, bienvenue chez le Ch'ti Bilout, Bilout chez moi, Jean-Marie Bernier. Vous me reconnaissez? Je suis sur la vidéo de la FFRS, ok? Eh ben, je suis animateur gym et aussi instructeur fédéral gym. C'est à ce titre que je fais cette petite vidéo. Alors on va voir un petit peu, un petit coup de brosse à revenir, ça fait beau, ça fait pas peur, et puis c'est bien. Alors je fais cette petite vidéo justement pour vous parler un petit peu des activités gymniques. Les activités gymniques, vous savez qu'on a trois types d'activités gymniques, et il y a notamment fitness et gym tonique. Et là je vais vous parler de ce type d'âge. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous faire la démonstration d'une méthode complètement différente de ce que nous avons l'habitude de faire dans nos séances. Certainement que certains d'entre vous connaissent cette méthode. Alors c'est une méthode qui a fait des adeptes, bien évidemment, et puis qui a prouvé que ça avait des répercussions sur notre santé, notamment sur tout ce qui est aérobie, anaérobie, sur pas mal de choses, hein, au niveau de la santé, au niveau du métabolisme, etc. etc. Donc c'est des choses qui peuvent nous être utiles à nous les seniors. Bien, Bilo, c'est pas joli tout ça, mais est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que cette méthode? Ben ouais, s'il s'agit du HIIT, High Intensity Interval Training. Le Bilo, tu parles anglais maintenant? Je traduis. Alors, il s'agit des entraînements fractionnés à haute intensité. Quoi? Haute intensité? Mais Bilou, t'es qu'il y a eu ce chef? T'as du fromage blanc, un chef? Je vais traduire parce que je ne sais pas comment on met les... Comment dire, les sous-titres. Alors, Bilou, t'as rien dans la tête? Tu fais n'importe quoi? Bon. Oui, pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que finalement, notre but à nous, animateur ou instructeur fédéral, peu importe, on est des animateurs avant tout, c'est d'adapter à notre public. Et pourquoi on n'adapterait pas cette méthode à notre public? C'est notre job. Il suffit simplement, non pas de parler de haute intensité, mais d'intensité soutenue. Voilà. On va utiliser des mouvements, des pas qu'on utilise dans nos séances d'activité gymnique. Exactement les mêmes. Il n'y a pas de changement. Ce qu'il y a, c'est qu'on va les mettre en mouvement et on va les mettre en musique, tout simplement. Voilà. Cette méthode, ce que je vous propose, c'est de vous la montrer. Bien évidemment, il faut avoir une bonne musique. Au niveau de l'introduction, c'est pas mal, hein? Oui. Et puis, bien mettre tout ça en branle. Et puis, surtout, cette séance doit être préparée. Il faut préparer. Donc, comment on prépare une séance de vie? Il va falloir faire des cycles de mouvements. Dans un cycle, on va avoir 4, 5, 6, voire 8 mouvements différents que l'on va exécuter pendant 20 secondes. Un mouvement, on l'exécute pendant 20 secondes. On va se reposer pendant 10 secondes, on va entamer le deuxième mouvement du cycle, on va le faire pendant 20 secondes, 10 secondes de repos et ainsi de suite jusqu'à la fin du cycle. À la fin du cycle, on observera un temps de récupération de 1 à 2 minutes. Voilà un petit peu, en gros, comment ça se passe. Bon, je vais vous en faire la démonstration, de toute façon, ce sera beaucoup plus parlant que de m'en parler. Hein. Bon, voilà. Donc, dans la séance que je vais vous faire, c'est une toute petite séance, pas plus de 4 mouvements dans mon cycle, et je vais les répéter 2 fois. Dans le deuxième cycle, je vais vous faire des petites, une petite progression dans le mouvement. Voilà. Allez, tout d'abord, je vais aller faire coffer le marmite. Eh oui, échauffement d'abord. N'oubliez pas, c'est ce qui va conditionner votre bonne pratique. Éviter les blessures et aussi une meilleure récupération. Allez, à tout de suite, j'arrive.